Yo tout le monde, c'est LMS Gaming. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur le recrutement d'Aster. Alors déjà, merci pour toutes les vues que j'ai eues. Je pensais pas en faire autant en juste une semaine. Merci pour aussi les quelques abonnés et quelques j'aime que j'ai eues. Ça fait toujours plaisir. Donc avant de commencer, j'ai eu une question de Dragon 61549 qui m'a demandé si j'avais un collectionneur. Donc en fait, la réponse c'est oui et non. Parce que j'ai Mystique, donc apprend le talent collectionneur vers le niveau, je sais plus, 80 je pense. Mais voilà, je viens de l'avoir, donc il est que niveau 9. Donc pas pour l'instant, mais je vais continuer à ce qui monte de niveau pour l'avoir. Donc on passe au recrutement d'Aster, ça va être un peu long, mais franchement, c'est pas grave. Donc faut aller au terrain oublié pour trouver sa carte. Voilà. Donc, faut parler au seul mec qu'il y a, de toute façon. Donc, Aster, il est là. Vous voyez, je l'ai déjà recruté. Donc, je vais vous dire comment le recruter. Donc, tout d'abord, faut recruter Lotus. Bon, en fait, Aster, on peut le recruter que quand on en a déjà recruté 3. Donc, je vais tout vous dire. Voilà. Je vais vous faire tout dans l'ordre et vous comprendrez... après. Donc pour pratiquement tous les joueurs, faut bouquet de fleurs. Donc je vais vous dire où ça se trouve. Donc en premier, déjà il vous faudra recruter Alois qui est ici. Donc il vous faut bouquet de fleurs et magazine populaire. Donc je pense que je vais tout faire d'un coup. Donc il faut recruter Alois, Fuchsia et on peut avoir Lotus. Et après on débloque Aster. Et pour avoir Aster, il faut Lotus qu'on vient d'avoir et Camomille. Donc il faudra encore Pissenlit et Orchidée. Après on a Camomille et on peut acheter Aster. Voilà, donc je vais faire tous les objets pour tout d'un coup. Comme ça, j'ai pas à revenir à chaque fois au niveau de cartes de joueurs. Donc pour commencer, en premier, il faut recruter Alois. Donc il faut bouquet de fleurs et magazine populaire. Donc bouquet de fleurs, c'est la récompense d'un défi qui se trouve à Camelot, donc au royaume de l'ogre. Donc on va s'y rendre, je vais vous montrer où c'est. Donc le défi se trouve à l'intérieur du château. Donc c'est eux, ici, en bas à gauche du terrain. Donc voilà, c'est eux où il y a Vierge et tout là. Narcisse Forever ou un truc, ouais c'est ça. Voilà, donc vous les battez plusieurs fois, à part si vous avez collectionneur, c'est beaucoup mieux. Et vous obtenez bouquet de fleurs. Donc après, il faut magazine populaire. Donc magazine populaire, ça se trouve au Tongana, à l'hôpital. Donc on va s'y rendre, peut-être vous l'avez déjà, on en a, si vous avez déjà recruté d'autres joueurs... Bref, donc on va à l'hôpital. Donc c'est une photo. Et la photo, elle se prend ici. C'est ça là. Voilà. Donc vous avez magazine populaire. Donc après avoir été chercher bouquet de fleurs et magazine populaire, vous avez pu recruter Alois. Donc maintenant, il faut recruter Fuchsia. Donc il faut pareil, bouquet de fleurs. Donc vous l'avez déjà normalement. Et café en terrasse. Donc café en terrasse, ça se trouve à Raymond Passé, dans les commerces, voilà, Titi, bref. Donc vous descendez ici, hop, là vous tournez à gauche, et c'est ici cette petite table là, faut la prendre en photo, et c'est café en terrasse. Donc avec bouquet de fleurs et café en terrasse, vous pouvez recruter Fuchsia, pardon. Donc maintenant, il vous faut recruter Lotus. Donc pour Lotus, il y a besoin d'Aloès et Fuchsia que vous venez d'avoir. Et il y a besoin d'une photo moulin en ruine. Donc cette photo, elle se trouve au sanctuaire. Donc vers le repos du gardien, vous vous y rendez. Hop, vous avancez un peu. Et ici... Derrière là,
Bon, vous voyez sa moulin. Donc, c'est la photo du moulin en ruine. Et donc, vous pouvez recruter Lotus, maintenant que vous avez Fuchsia, Aloès et Moulin en ruine. Donc maintenant, vu qu'on a déjà recruté 3 joueurs, Aster se débloque. Mais il faut encore en recruter. Sinon, voilà, on peut pas l'avoir. Donc, il faut recruter Pissenlit. Donc, il y a besoin de bouquet de fleurs et de marmite fumante. Donc, bouquet de fleurs, on l'a déjà. Et marmite fumante, ça se trouve à Owari. C'est l'époque de Nobunaga. Donc, vous allez en ville. Donc, voilà, une fois en ville, il faut continuer à droite. On traverse le pont. Et c'est ici. Donc, vous montez ici, dans ce magasin, à gauche. Vous traversez la petite planche, là. Et c'est ici, vous prenez la photo de marmite fumante. Donc, avec bouquet de fleurs et marmite fumante, vous avez donc débloqué Pissenlit. Donc, maintenant, il va falloir débloquer Orchidée. Donc, pour Orchidée, pareil, il faut encore bouquet de fleurs. Et après, il faut une photo foyer. Donc, foyer, ça se trouve au royaume de l'ogre. Donc, à Grimwell, dans la maison de Lunette. Voilà. Donc, c'est tout au bout. Hop. Et c'est ici la cheminée, quoi, en gros. Donc, maintenant, vous avez la photo foyer. Donc, il vous reste que à avoir une photo. Donc, c'est magnifique portrait. C'est à l'époque de Nobunaga. J'aurais pu la faire tout à l'heure, en fait, pour débloquer Camomille. Donc, vous venez d'avoir Pissenlit et Orchidée. Et il vous faut magnifique portrait. Mince. Donc, magnifique portrait, c'est en ville. Voilà, donc c'est dans la boutique Footage. Donc, c'est ici. Et là, c'est ici. Une photo ici de ça. Et vous aurez magnifique portrait. Donc, vous avez eu Camomille. Donc, maintenant, il vous reste à débloquer Aster. Il vous reste une petite chose. Donc, pour Aster, il faut Lotus et Camomille. Et il vous faut aussi un thème histoire de famille. Donc, le thème histoire de famille, il se trouve à Raymond Présent, à l'hôpital. Donc, on va aller à l'hôpital. Hop. Donc, en fait, le thème, il se trouve en haut, donc sur le balcon de l'hôpital. Donc, vous prenez les escaliers. Et là, ici, c'est à gauche. Enfin, à droite, pardon. Oulala. Donc, il y aura une fille assise sur ce banc-là. Et vous lui parlez et elle vous donnera le thème histoire de famille. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous pouvez acheter Aster et le débloquer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine. Je vais peut-être essayer d'en faire une par semaine, ce serait bien. Voilà!